Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en version française sur Cool TV. Après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, l'ancien président Marc Ravalomanana en a débarqué dans le plus grand secret ce jour à l'aéroport d'Ivat. La nouvelle a circulé sur Facebook avant d'être confirmée par un rassemblement de ses partisans en contrebas de sa résidence à Faravouitch. Militaires, gendarmes et policiers sans armes n'ont bouclé un périmètre de sécurité qu'une fois la matinée et bien avancée. Après une conférence de presse et la dispersion de ses partisans par les forces de l'ordre, Marc Ravalomanana a été arrêté en milieu d'après-midi ce jour. Reportage. Après 5 ans d'exil, l'ancien président Marc Ravalomanana dormira-t-il chez lui cette nuit? Revenu d'Afrique du Sud dans le plus grand secret ce matin, l'ex-chef de l'État a été arrêté en milieu d'après-midi à sa résidence de Faravouitch. La foule qui continue d'encombrer la rue après la conférence de presse a été dispersée par la gendarmerie à coups de grenades lacrymogènes. Une cinquantaine d'éléments des forces de l'ordre en fait irruption dans la résidence. Les tweets font état de coups de feu tirés contre les portes. Aux dernières nouvelles, l'ex-chef de l'État serait retenu au camp Ratimanjav, quartier général de la gendarmerie. Des échauffourées se sont produites au niveau du ministère de l'eau. Les forces de l'ordre ont fait barrage pour empêcher une foule qui descendait depuis Faravouitch de gagner le camp Ratimanjav. L'ancien président est apparu un peu amaigri, interrogé sur ses affaires judiciaires. Il accuse un moment d'hésitation avant de déclarer qu'il n'a pas peur de passer en justice s'il s'agit d'une juridiction compétente. Marc Ravalomanana lance une pique vers la communauté internationale. Les Malgaches n'ont pas vraiment choisi leur président. On le leur a imposé avec les ni et les si. L'ancien président, escorté de gendarmes, a été transféré en fin d'après-midi du camp Ratimanjav vers une destination inconnue. Et puis toujours l'ancien chef d'État, Marc Ravalomanana, il a été emmené par les gendarmes du G6 ce jour à 14h05. Les forces de l'ordre ont encerclé les environs, ce qui a facilité l'opération. Aucun affrontement après des lancers de bombes lacrymogènes et des tirs en l'air. Les gendarmes se sont introduites dans la demeure de l'ex-président de la République. Les détails dans ce reportage de Sichar Ravounerson. Marc Ravalomanana a encore pris la parole 20 minutes avant son arrestation. Les rumeurs ont couru les rues dès ce matin qu'il serait arrêté. Il a alors lancé un appel à la population malgache de le protéger. Nous devons nous soutenir. Prenez en charge ma sécurité puisque je vous donne ma clé. Les forces de l'ordre ont encerclé Faravouitch. Les partisans de l'ancien chef d'État ne pouvaient pénétrer dans les limites imposées par les G6. Vers 12h45, le lancement de grenades et des tirs en l'air ont commencé. Cette voiture a servi à emmener l'ancien président de la République depuis Faravouitch. Nous avons tout de suite essayé de récolter des informations. Je vous prie de vous en aller, nous allons faire quelques arrangements. Aucun affrontement n'a été constaté sur les lieux entre les partisans de Marc Ravalomanana et les forces de l'ordre lors de son arrestation. Des objets dans sa demeure, par contre, ont été détruits. Face au retour de l'ancien président Marc Ravalomanana au pays, le président de la République, Ratona Mapian, a fait une déclaration officielle ce jour à Yavlou. Le retour de cet ancien chef d'État devrait obligatoirement figurer dans le processus de la réconciliation nationale. Ravalomanana n'a pas été arrêté ni emprisonné, a-t-il déclaré. Écoutez ses explications. L'ancien président Marc Ravalomanana est arrivé ce matin à Tananarive. Il n'a pas estimé nécessaire d'en informer au préalable le gouvernement, tout comme il n'a pas cru utile de solliciter de l'administration une autorisation quelconque. Madagascar est un état de droit. J'ai déjà déclaré, tant à la population malgache qu'à l'ensemble de la communauté internationale, que le retour de M. Marc Ravalomanana doit obligatoirement figurer dans le processus de réconciliation nationale et se réaliser uniquement dans le cadre de ce processus.
Certes, tout citoyen malgache doit pouvoir circuler librement dans son pays. Cependant, le cas de M. Marc Ravalman est particulier, dès lors qu'il s'agit de sa protection personnelle et de la sécurité publique qui requiert des dispositions spécifiques. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas contacté. Les termes de son propos, lors du point de presse qu'il a organisé dans la matinée, illustrent ses intentions et sa volonté réelle, dont notamment l'absence de toute considération à l'endroit du choix du peuple malgache. Il n'a pas hésité à pousser ce dernier à verser dans l'illégalité et au non-respect de la loi. Mes chers compatriotes, nous avons choisi la démocratie. Nous devons défendre cette démocratie. Nous ne pouvons donc accepter de tels dérapages. J'ai pris mes responsabilités de chef d'État et continuerai à le faire dans un souci de protéger l'ordre public. Je remercie ceux d'ici ou de l'étranger qui ont d'ores et déjà désavoué totalement et condamné le comportement de M. Ravalman. Les forces de l'ordre ont décidé de prendre leurs responsabilités. M. Ravalman n'a pas été arrêté. Il n'a pas été emprisonné. Il est mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. En assurant néanmoins rester dans le registre de la présidence, nous ne céderons pas face aux provocations de toutes parts. Mes chers compatriotes, j'aimerais dire à tous mon attachement à la réconciliation nationale. J'y ai travaillé pendant plusieurs mois. C'est dans ce cadre que je reste disponible à toute discussion, mais dans le respect du peuple malgache et de la paix sociale. J'appelle ainsi les uns et les autres à rester calme et demeurer dans l'unité nationale pour permettre au gouvernement de résoudre en toute sérénité ce problème. Vive la République de Madagascar. Tout est clair, affirment les partisans de Ravalmanan. Le président Iratan Armapian a fait arrêter l'ancien chef de l'État. L'avocat de Ravalmanan, Maître Benzamin, affirme qu'un dialogue s'est déjà tenu entre les deux personnalités. Et s'est-il déroulé avant cette arrestation? Selon le colonel Florence Rakoutman, la présence des forces de l'ordre sur les lieux n'était pas pour l'arrestation, mais pour la protection de l'ancien président. Arrestation ou protection, la réalité, les forces de l'ordre ont employé la force en s'introduisant dans la demeure de Marc Ravalmanan. Les traces de balles pour ouvrir le portail sont clairement visibles. Mais nous n'allons pas nous écarter du sujet, nous allons regarder ensemble les affrontements des partisans de Marc Ravalmanan et les forces de l'ordre. Les partisans de Ravalmanan ont haussé la voix après avoir appris son arrestation. Vers 15h, cela s'est transformé en une incitation à manifester. Aux environs de 16h et plus, les partisans de Ravalmanan ont fait une grande marche vers le camp Ratimanjav où l'ancien chef d'État a été retenu. Les Morègues les ont attendus à un bat vnak. Après des minutes et des minutes d'attente, les partisans de Ravalmanan se sont peu à peu dispersés. Les forces de l'ordre, quant à eux, se sont avancées pour leur barrer la route. Certains ont quand même pu franchir le barrage et atteindre le camp Ratimanjav. Ils se sont fait disperser par des bombes lacrymogènes.
Mais après l'arrestation de l'ancien chef d'État Ravalomanana, ses partisans ont réagi. Un accord a permis son retour au pays. Le retour de Ravalomanana n'est pourtant pas approuvé par la loi en vigueur. Écoutez les explications. Bon, on n'attendait pas ça, hein. On n'attendait pas ça sincèrement, parce que là, on craint vraiment que là, il est là, c'est pour la paix, c'est pour la paix. C'est pour la réconciliation, je pense, mais c'est pas pour faire des traumatismes, ben, je sais pas quoi. Bon, là, c'est sur le droit international, je pense que là, il faut se baser d'abord par les préambules, parce que là, il est là le droit de l'homme à respecter. Oui, donc parce que là, un ressortissant a le droit de retourner, de partir sur son pays natal. Donc je pense que là, ça fait partie de son droit de retourner ici. Et place aux actualités internationales. La police de Hong Kong a commencé dans la matinée d'aujourd'hui à enlever plusieurs barricades érigées depuis une quinzaine de jours par les militantes pro-démocratie. Profitant du faible nombre des manifestants qui avaient passé la nuit sur place, les policiers se sont déployés à Admiralty et sur un autre site, celui de Mong Kok. Les manifestants, pris par surprise, sont restés passifs. C'est un reportage de France 24. Remontés à bloc, des centaines de contre-manifestants, masqués pour la plupart, arrachent les barricades des pro-démocratie. La police tente de s'interposer, mais ne parvient pas à empêcher les échauffourées. Il y avait un groupe de gens rassemblés là-bas. Ils ressemblaient à des gangsters, mais je ne suis pas sûre. Et c'est là qu'un autre groupe de manifestants, cette fois, a essayé de prendre des photos, car ils pensaient qu'ils allaient passer à l'action. Donc ils ont pris des photos et le groupe de ceux qui ressemblaient à des gangsters a commencé à courir dans leur direction et l'un d'eux a frappé violemment un vieil homme à la tête. Les contre-manifestants ont été rejoints par des chauffeurs de taxi en colère, lassés de voir la circulation bloquée à Hong Kong. Le ras-le-bol est partagé par de nombreux habitants. L'activité de la ville est fortement ralentie depuis plusieurs semaines. Mais selon les contestataires, les anti-manifestations sont surtout des fauteurs de troubles qui cherchent à discréditer leur cause. Certains pointent du doigt directement la mafia chinoise et des agents envoyés par Pékin. De son côté, le chef de l'exécutif hongkongais a ordonné la levée des barricades. Il n'a aucune intention de céder aux manifestants. Je ne démissionnerai pas. Je n'ai pas besoin de le faire. En fait, je partage l'avis de la plupart des citoyens. Nous pouvons faire avancer le suffrage universel pour les élections du chef de l'exécutif de 2017 dans le respect de la loi fondamentale et des décisions du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Depuis l'annulation des pourparlers entre le pouvoir et les étudiants la semaine dernière, la situation est dans l'impasse. Mais les pro-démocraties restent plus que jamais déterminées à obtenir gain de cause. Frustré par les hésitations d'Ankara, qui tarde à s'impliquer significativement dans le combat contre l'organisation de l'État islamique, Washington pensait avoir obtenu gain de cause sur un point précis. Mais mauvaise nouvelle pour les Américains, une source gouvernementale turque a annoncé aujourd'hui qu'il n'existait aucun nouvel accord avec Washington autorisant l'accès à ses installations aux avions de la coalition anti-État islamique. C'est toujours un reportage de France 24. Ce lundi, la Turquie a coupé court aux affirmations des autorités américaines. Il était notamment question d'utiliser la base d'Incirlik dans le sud du pays. 1500 soldats américains y sont déjà stationnés. Mais pour l'instant, les appareils de l'US Air Force ne peuvent pas y décoller pour mener des frappes dans la Syrie voisine. Les forces de la coalition espéraient également pouvoir entraîner des membres de l'opposition syrienne sur ces bases. Car selon elles, les frappes aériennes ne suffiront pas à enrayer l'organisation de l'État islamique. Mais les discussions pour obtenir la participation de la Turquie s'avèrent très difficiles. Ancien allié de Bachar el-Assad en 2011, le gouvernement turc a rapidement pris parti pour la rébellion syrienne, quitte à soutenir les mouvements les plus radicaux. La Turquie a notamment laissé passer sans contrôle ou presque des milliers de combattants étrangers. Le pays craint aujourd'hui que les frappes aériennes ne renforcent le régime syrien. Mais il craint surtout la montée en puissance des Kurdes à ses frontières et sur son propre territoire. Des Kurdes que la Turquie empêche aujourd'hui de passer la frontière pour défendre Kobané. Ne ratez pas votre série Mistresses juste après ce journal, suivi d'un film policier, Attrape-moi si tu peux, et d'un film frisson un peu plus tard dans la soirée, The Return.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 20h45. Excellente suite de programme sur Cool TV. Au revoir.